Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Planet Coasters épisode 5. Et on se retrouve aujourd'hui, on se retrouve dans notre première campagne avec le château au milieu. Voilà, je vais un petit peu alterner entre les différentes carrières du jeu. L'épisode précédent, on était avec un parc au bord de la faillite. Vous me direz, on n'est pas beaucoup mieux ici. Bénéfice mensuel. Oh si, c'est bon. On est bien là. Bon, il faut quand même faire attention à nos dépenses. Et il faut rembourser un prêt parce qu'il faut sauver le château. Voilà, il faut rembourser tout ça. Et ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Bénéfice mensuel, ça m'a l'air d'être supérieur, là, donc je ne comprends pas. 2000... Ah oui, on est supérieur. Ouais, on gagne à peu près 3000. Dommage que ce soit pas un peu plus détaillé ici. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait rien touché au niveau du château ici. On avait juste construit un petit, une petite foire, une petite fête foraine vers l'entrée du château. Que voici... Le petit village et des attractions, 1, 2, 3, 4 attractions qui ramènent souvent via leur sortie ici et là au village pour qu'ils fassent des dépenses. Et puis voilà. Alors, oui, je suis un peu malade, j'espère que ça s'entend pas trop, mais voilà. On va continuer, hein. Le but ça va être de gagner vraiment beaucoup plus d'argent. Je vais juste voir si on gagne mieux de l'argent. Elle est rentable, elle est rentable, elle est rentable. Je vais voir à propos des magasins. Toutes les attractions sont rentables, les toilettes sont rentables, tout est rentable. On se débrouille plutôt pas mal. Je pense que ça va être l'occasion pour nous de mettre une nouvelle attraction. Quoique, attendez, on les a toutes mises. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai pas envie de mettre... Ouais, on pourrait mettre un petit train pour que ça aille... Oh, vous pensez que je peux couper la route et obliger les gens à prendre le train, à payer un ticket de train pour aller jusqu'au château? Vous savez quoi? On va essayer. Si jamais ça merde énormément, on supprimera la sauvegarde. J'ai très envie de mettre un train, je vais pas vous le cacher. Je vais le mettre ici. Je pense qu'on va le mettre là. De toute façon, il va falloir lancer des recherches. Vous voyez que quand même, niveau argent, hein, on est très équilibré. On est toujours à 9000. Hein. J'aimerais que ça augmente un petit peu. Ça coûte combien, ça, d'ailleurs? 2000. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais quand même voir à propos des recherches. Ah, j'ai déjà fait une recherche ici. Et c'est une recherche pour les... famille, bon, et au niveau des emprunts, est-ce que je peux pas peut-être rembourser plus, 123 mois restants, là je peux rembourser 8000, mais est-ce que c'est une bonne idée? Je pense qu'on va faire avec ce qu'on a ici. J'ai peur que ça coûte. Train autopropulsé non inversable. Ah zut, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire une boucle, non? Non inversable, non inversable. C'est-à-dire quoi, non inversable? C'est-à-dire qu'il doit faire une boucle ou... J'hésite. On va augmenter la recherche. 1500. Elle sera prête dans 13 jours. Oh là là, on n'est pas sorti de l'aubergine, là. On n'est vraiment pas sorti. Ah, j'aurais trop aimé faire le train. Ah, j'aurais tellement aimé faire le train. Attendez. Finance. Ok. On va faire le train. Ok, on va faire un tout petit train. Ah, mais j'ai peur qu'il faille faire une boucle et ça poserait quand même pas mal de soucis. C'est pas grave. Je vais mettre sur pause. Pouf. Non, je vais pas mettre sur pause, on gagne de l'argent. Je vais essayer de construire ça. Bam! Là, ça fait très très mal niveau argent. Je vais vendre... Oups, là. Non, pas du tout.
Non. Ah, est-ce que vous pouvez... Stop. Je vais vendre les arbres qui sont de ce côté de la... du lac. En plus, faut que ça rajoutera tellement un charme trop cool de rajouter un... De rajouter ça. Bon, eux, je vais les déplacer. Vendre les arbres, ça nous faisait un petit peu d'argent, mais... Bon, voilà, on va pas tout déforester quand même. Hein, on va pas tout couper. Allez, j'ai vraiment envie de faire ce train, tant pis. C'est peut-être pas le truc le plus rentable. J'en meurs d'envie. J'en meurs d'envie non inversable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'espère que je ne serai pas obligé de faire une boucle pour pouvoir bah, le boucler. C'est bon, c'est 30 le maximum. Hop, je construis. Bon, les rails, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, heureusement, à construire. Hop, et on va mettre ça à l'entrée du parc. Construire une station, c'est payant? Ah non, c'est pas payant de construire une station. Ah, ça me rassure. Voilà, moi j'avais quand même un peu peur de ça. Mais visiblement, ça n'est pas payant. Ok, ok. Du coup, je peux mettre une station ici, finalement. Hein. Oui, oui. Faut que j'enlève ces trucs-là. Allez, les gars. Bon, voilà, c'est un petit peu un caprice, là. Mais je veux ce train, en espérant que ça nous foute pas trop dans le 1. Mais avec un peu de chance, il sera super rentable. Qui sait? Je veux qu'on rentre et qu'on sorte des deux côtés. Je sais pas dans quel côté il est, mais ça se modifie, ça. Ok. Là, on rajoute les rails. Broum. Ah, le terrain n'est pas plat ici, évidemment. Oh, quoi. Ça fait... Ah, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais peut-être laisser la gare... Je vais faire en sorte que la gare s'arrête ici. Oh, non. J'ai peur qu'il faille... Quoique... Bon, on va faire tester. On va voir si le train fait demi-tour. Je vais le mettre super vite. Hop. Regardez, c'est quand même pas trop la classe. Ah si, c'est la classe, les amis. J'espère que ça peut fonctionner. J'espère que ça peut nous rapporter de l'argent. Là, vous voyez, on est en galère. On ne gagne que 100 par mois. Enfin, par jour, je sais pas. Mensuel, par mois. Ok. Et le demi-tour ne fonctionne pas, du coup, parce qu'il n'est pas terminé. Et il veut absolument aller là. Est-ce que je fais un tour complet? Là, ça va faire peut-être un peu cher. Mais tant qu'à faire de refaire un retour ici, tant que je gagne de l'argent, là, je perds de l'argent. Stop. Tant qu'à faire un demi-tour ici, finalement, ça va être quasiment à la même longueur ici. Donc, on va peut-être faire une boucle. Ah, je pense qu'on va faire une boucle. Bon, du coup, il faut que ça monte un peu. Attendez, si je fais terminer tout seul, il va faire quoi? Allez, décale-toi un peu. Décale-toi. Non, ne fais pas de tunnel. Décale-toi. Fais tout le tour. Il va pas y arriver. Et là, il est en train de passer au-dessus, là. Oh là là. Oh, il veut faire... Oh là là. Le truc automatique, je crois qu'il est en galère, là. Le truc qui calcule... Oh, et bah oui, maintenant, il doit tourner sur lui-même, hein, vu que tu nous as fait monter aussi haut. Oh. Bon, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, petit truc. Laisse-moi le faire moi-même, je pense que tu ne sais pas faire. Allez, on remonte. On le met le plus proche du sol. Super. On le redescend le plus possible. Génial. Ah, ça remonte. Bon, on va le faire remonter. Ah oui, bon, évidemment, il y a un arbre, hein, dessus, évidemment, hein. Il peut y avoir des arbres partout. Non, il fallait que cet arbre soit sur le tracé. Heureusement que ça coûte pas de l'argent de s'occuper des arbres, hein. Là, je pense que je... Ah, je ne peux pas modifier le terrain, d'accord. Ok, c'est bon à savoir, ça aussi. Du coup, on va peut-être diminuer, tourner un peu moins, mais monter le moins possible. Hop,
et là ça me permet de redescendre. Ok, je sais pas, il a galéré. Ah, j'ai trop redescendu. Voilà. Allez les amis, on va y arriver. Oh, regardez, je suis... Ah, on pouvait cacher, je ne savais pas, tiens. Je ne savais pas. Alors, évidemment, on m'a foutu, hein, n'est-ce pas, un arbre ici. Hein, il pouvait être partout ailleurs. Non, ici, c'était vraiment, après moult réflexions, le meilleur endroit où placer un arbre. Là, hop, construire. 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 Il est un peu en hauteur, mais c'est pas grave. Je pense pas que ça prenne plus d'argent. J'espère pas. Ah, on y est presque. On y est presque. Est-ce que terminer maintenant, ça peut fonctionner? Est-ce qu'il va pas nous faire un truc trop crade? Pourquoi il veut le faire monter à chaque fois? C'est pas vrai? Non, 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 non. D'accord, d'accord. Modifying the tracksuit. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Ah, j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. On a plus d'argent. Est-ce que on pourrait pas gagner un petit peu en faisant une boucle un peu plus courte ici? J'ai plus d'argent. C'est en partie à cause de ça que j'ai augmenté des recherches, qui est bientôt terminée du coup. Ok, on va essayer de regagner un peu d'argent. En se mettant comme ça. Là on perd. Voilà, on gagne 17, on gagne 6, on gagne 35. On gagne 11. On perd 10. On perd 9. Pourquoi? Non. On perd 33. Ah, super. On gagne 4. Faut vraiment que j'arrive à finir. Ah, le... Ça, il faut que je le finisse. Oh là 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 là. On va pas réussir à le finir. Je pense pas que je vais réussir à le finir dans cet épisode en tout cas. Du coup, on va fermer. En espérant que ça nous pompe pas d'argent quand c'est fermé. Hein? Vu que c'est pas utilisé, normalement ça devrait être bon. Punaise, il nous manquait que ça. Que ça, manquait 3 ou 4 trucs. C'est pas grave, on gagnait de l'argent, on a fait nos dépenses inutiles. Regardez, on recommence à gagner de l'argent. C'est quoi ça? Oui, bah oui, il est inachevé. Alors par contre, faut quand même que je fasse gaffe à la réparation des attractions. Là, ça a l'air d'être bon. C'est pas marqué fiable, normalement? Quelque part? Ah non, c'est là. Là, c'est élevé, là, c'est élevé. En retard de 15 minutes, pourquoi? En retard de 16 minutes, pourquoi? Me dites pas que j'ai plus de mecs. Employé, tout le personnel. Oh, il est parti. Notre mécano est parti. Ah. Ok, gestion du parc. Employé. Putain, je suis désolé, je vais te mettre à 200 pour le moment. Absolument que tu t'occupes de ça. Voilà, il attend que le manège s'arrête. Ok, c'est pour ça. 239, je peux rajouter, est-ce qu'on gagne toujours de l'argent? On gagne de l'argent, je peux peut-être construire ça. Ok, évidemment, n'oubliez pas de placer un arbre sur le chemin. Surtout, ne le mettez pas ailleurs, mettez-le sur le chemin. Il faut bien que les arbres servent. Modifier le tracé. Là, je pense que j'ai plus d'argent, du coup, 270. On a bientôt l'argent, on a bientôt l'argent, mais le problème, c'est ça. Est-ce que le jeu va accepter que je passe sur un chemin comme ça? Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est vraiment pas sûr. Et si c'est pas le cas, je suis baisé. Pardon, n'utilisez pas ce vocabulaire, les enfants. Ah, bon. Évidemment, n'oubliez pas les rochers sur le passage, les amis. Les rochers. On perd de l'argent. C'est bon, on gagne de l'argent. On gagne de l'argent, on y est presque. On y est presque. Moi, j'y crois. Parce qu'il y a tellement de distance que j'y crois que les gens vont le prendre. Et
peut-être couper la route pour les obliger à prendre. Je l'ai déjà dit, je vais voir, je vais accélérer le temps. Je ne sais pas s'il y aura une coupure, c'est pas grave, on reste ensemble et je vais blablater. On perd de l'argent. On en gagne, on en perd. Plusieurs attractions n'ont pas d'entrée, comment ça? Oui, mais ça je sais, Gérard. Je le sais. Voilà, on va placer l'entrée, si tu vas être content. L'entrée, ce sera... non, comme ils doivent monter à chaque fois devant, on place la sortie. Tout ici, placer... Hop. Et hop. Ok, lui, il est bon. La deuxième station, elle est là, on place... Ah, évidemment. Évidemment, n'oubliez pas de mettre à l'envers tout ce que vous faites. Oups, j'ai cliqué sur quoi là ? Modifier le tracé. Ça, c'est une station donc dans. Non, zut, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans ce sens. Me dites pas que j'ai rajouté une station là-bas. Non, c'est bon. Ok, terminé. Et du coup, je place. Z-Entrance qui va être donc le plus proche possible du train. Et la sortie qui va être la plus proche possible. Des autres attractions pour évidemment forcer les gens à s'y rendre. Pour le moment, on va se contenter de ça, de file d'attente, et je vais mettre un chemin naturel pour... C'est naturel, ça. Vous trouvez ça très naturel? Ce n'est pas naturel. Mais ça ne peut pas être naturel dans le ciel, effectivement. Il fallait que ce soit... un peu mieux placé. Voilà, j'ai la flemme d'enlever cet arbre, du coup, on le détourne. On le contourne. Modifier le tracé. J'ai 800, je peux potentiellement terminer ce train. Là, ça va être... il va pas falloir se planter. Oh, ça fonctionne. Ça fonctionne presque. Hein, il ne faut pas que... on se fasse avoir. Alors, ça, je le place. Très bien. Pause. Allez. Ça, ça vire. Bim. On n'aura fait que ça dans cet épisode, c'est pas grave, c'est ça qu'on aime. Obstruction, évidemment, n'oubliez pas de vous y reprendre moult fois avant de réussir quoi que ce soit. Bim. Ok. Ok, bon là ça va faire mal. Là ça va faire mal, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accès et si mon truc ne marche pas, ça va faire effondrer toute l'économie qu'on a, tout l'argent qu'on gagne grâce à ça. Je propose... Ah oui, surtout que, bon, du coup, en plus, ils peuvent pas y accéder. Je vais remettre en vie, parce qu'on gagne de l'argent. Attendez, mon cerveau essaye de réfléchir à quelque chose. Que vous pensez que je peux faire ça? Ah. Non, évidemment. Évidemment que non. Voilà, il fallait un de plus, bien sûr. Je vais faire ça. Ah, c'est moche, c'est ignoble. C'est en attendant de voir comment... qu'on puisse faire fonctionner ça, parce que je ne peux pas couper la route tout de suite. Après, je couperai peut-être la route ici. Hein, pour que, voilà, ils sortent juste là et ils puissent tout de suite rentrer. Bien qu'en fait, il faudrait que je fasse l'entrée et la sortie ici. Pouf. Car là, ce serait coupé. Pour le moment, on va faire ça, pour éviter de perdre trop d'argent. On va voir ce que ça donne. Niveau vitesse, il est toujours au max. Oui. Nombre de trains, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de... Ouais. De tout de suite... voilà. Prix du billet, on va mettre 230. Et là, on va le mettre un peu moins. On va le mettre un peu moins, comme ça, c'est vraiment... Oh, comme ça, ils sont obligés de payer plus cher pour le retour. Très bien, où est notre petit train? On va quand même le regarder, hein. C'est quand même la méga classe. Waouh. Moi je trouve qu'il fallait rajouter un train. Il faudrait mettre des décorations, mais il fallait rajouter un train quoi qu'il en soit.
Ah, c'est le nez bouché. Et il s'arrête ici. On peut l'ouvrir. Maintenant, on croise très 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 fort. Pour le moment, on gagne de l'argent, mais on croise les doigts très 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 très. Quoi ? Pourquoi elle a donné sa démission, elle ? Elle est sérieuse ? Le technicien, c'est celui qui est... Non, oh merde, Creuzy, il s'en va. On va lui remonter son salaire. Engager du personnel, ça coûte cher ou pas ? Non, c'est que il coûte qu'au moment du salaire, donc en fait, c'est pas très gênant. Oh, regardez, je savais que ça aurait du succès. C'était sûr. Bon, j'ai mis le train à sa vitesse maximale. Oh, ça va nous faire gagner un fric, les amis. Regardez, personne n'avait envie de faire tout ce chemin-là. Tout ça, c'était vraiment inutile. Et du coup, je pense que quand on va faire une autre foire, on la fera ici. Exprès pour qu'il soit découragé de marcher. Et qu'il soit obligé de prendre le train. Oh, c'est diabolique. Ah là 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 là. Ah, et du coup, il va falloir que je fasse une plus grande queue. Hein, parce que du coup, les gens ne rentrent pas. Il y en a quand même qui sont un peu découragés, je pense, par le prix du billet. Mais bon. Tous ces gens, vous voyez, c'est tous ces gens, ils seraient allés à pied. Et là, en plus, ils vont plus vite aux autres attractions. On veut dire qu'ils peuvent faire plus de choses sur place. Et regardez, la queue est déjà pleine. Oh, je suis content. Pour le moment, on gagne pas trop. De nombreux visiteurs ont soif. Ah, il n'y a pas de boisson. C'est quoi ça? Chief Beef, Coffee. Ah oui. Oh, quoique, si, attendez. Oh. Chief Beef encore. Bah oui, ils font la queue pour boire. Je pense qu'ils voudraient des trucs énergétiques. On verra. Regardez le monde qui veut prendre le train. Par contre, là, j'espère qu'ils vont tout de suite. Je pense qu'on va faire une allée dans l'autre sens. Hein, pour qu'ils aillent tout de suite là où c'est qu'on veut qu'ils aillent. Hein. Parce que là, du coup, regardez, ça fait un peu bouchon partout. Je pense que je vais faire... ça. Voilà. Ah. Attendez, je vais faire dans l'autre sens du coup. Voilà. Voilà. Oh, on pourrait même couper, enlever le chemin là et faire en sorte qu'ils soient obligés de faire un tour complet. Et donc de passer devant toutes les boutiques. C'est très fourbe. Mais c'est comme ça que ça marche à Disney. Sauf qu'à Disney, voilà, ce serait une grande rue. Et là, ça se voit qu'on nous oblige à y passer. Quoi qu'il en soit... Ouais, on pourrait déjà couper cette allée peut-être. Ouais, je vais réfléchir. Je vais voir si le train nous rapporte de l'argent. Si oui... voilà. Il va falloir attendre la fin de la journée. Ok, là... Je vais voir si c'est un peu utilisé. Oh là 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 là. Là, ils demandent énormément d'entrées. Là, ils ont vraiment besoin. J'aimerais quand même savoir combien ça nous rapporte par jour. Et je pense qu'on peut même augmenter le prix du billet du coup. Et après, je vais faire le test de couper là. Mais si je coupe là, vraiment falloir que cette file d'attente s'assure. Et même que je rajoute un train, je pense. Bon, on gagne toujours moins que ce qu'on gagnait au début de la partie. Mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas encore les informations. Et on a fini cette recherche. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné attraction. 1600, enthousiasme, peur. On a gagné ça, ah, bah c'est cool. Je pense qu'on pourra le rajouter là. Ce sera là ou là. Je pense qu'on la rajoutera là. Oh, il n'y a personne pour cette attraction. Est-ce qu'elle nous rapporte un peu d'argent? Ouais, elle nous rapporte de l'argent, mais il n'y a personne. Est-ce qu'elle est si chère que ça? Je vais la baisser, hein. On va voir si ça attire plus de monde ou pas. Bon. Oui, ça affiche complet. Alors, mais j'aimerais bien savoir si même en affichant complet, ça nous rapporte beaucoup d'argent ou pas. Oh, le monde qu'il y a de ce côté.
What? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de monde dans le parc d'un coup? C'est quoi tout ce monde sur l'allée principale? Je comprends pas, et il n'y a plus personne ici. C'est comme s'ils voulaient... Où est-ce que vous allez? Se dirige vers Rolling River. Rolling River. Shift. C'est quoi cet arbre? Ah, super, on a un nouveau technicien qui a démissionné. Ok, toi par exemple, tu vas où? Rolling River, ils vont tous vers Rolling River. Wow, attendez, ça a tant que succès que ça. Et l'autre, il a soif. Effectivement, faudrait peut-être mettre du coup des boutiques un peu ici. La file d'attente est pas très longue, hein, mais... On perd de l'argent, pourquoi? Me dites pas qu'il... Ok, il nous fait gagner de l'argent. Je pense, on va mettre sur pause. On va mettre sur pause, on va tester. C'est la dernière chose qu'on va faire dans cet épisode. On va tester de couper la route. En espérant que le jeu ne la considère pas comme fermée du coup. On va voir. On fait des essais. Par contre, effectivement, il faut que cette file d'attente assure. Hein ? Je pense qu'on remettra... Enfin, on va voir. Si ça nous fait gagner un pognon de malade de faire ça... ça vaut carrément le coup. Voilà. Voilà. Ici aussi, il faut tout déchirer. Là, il nous faut un sacré truc, là. Bah, vous savez quoi? On va tout de suite... est-ce que tu peux cliquer dessus, s'il te plaît? Ah mince, pardon, j'ai une idée qui est bouchée. Oh, va falloir qu'on se laisse, ça fait plus d'une demi-heure là qu'on est ensemble. Oui, comment je... Il faut la fermer. Ah, ça fait mal aux fesses. Hein. Ça fait mal aux fesses, c'est pas grave. Hop, on va la mettre dans l'autre sens. Super. Station. Placer l'entrée. On va mettre l'entrée ici du coup. Plutôt ici. La sortie le plus proche possible. On relie. Je relie. Putain, je suis en train d'essayer de faire un truc. C'est un terrain à marcher, les amis. Hein. Bon, ça va pas être très logique ce que je viens de faire. Mais bon. Et ici, il nous faut du naturel. Pour la sortie. Fond insuffisant. Du coup, je vais tout de suite couper ça. Allez. Bim. Voilà. Ah putain. Ah par contre ça fait mal aux fesses d'empêcher tout ce monde d'aller dans l'attraction là. Ah je vais remettre. Je vais remettre et couper. Et couper ici. Voilà. Si ça se trouve ils peuvent marcher dans l'herbe, hein, je ne sais pas. Voilà, j'ai coupé là. Comme ça, tous les gens qui sont déjà là, ils peuvent quand même continuer à venir. Ok. Ah, et ça, il faut que je le reteste à l'enfer. Bon, on croise les fesses. Je vais tout de suite voir s'ils peuvent accéder au chemin là. Non, visiblement, s'il n'y a pas de chemin, ils ne peuvent pas y aller. Les attractions niveau maintenance, on en est où? LV, 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 LV. C'est bon. Ok. Et toi, vite, j'ai très envie de t'ouvrir. Allez, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Vous voyez là, la route est en train de... Qu'est-ce que...
Ils sont heureux, c'est ça? Entre. Ah oui, ils sont bloqués du coup. Bah attendez, attendez que j'ouvre le train. Allez, petit train, putain! Ah, ça fout la rage. Hein. T'es toujours à vitesse max là? 32 km/h. N'hésite pas à rajouter un train. Attendez. Oui. On va ouvrir le train. Vous allez pouvoir aller là où vous voulez, les amis. On va voir si ça va résoudre ce problème de... Au secours, ne me laissez pas moisir ici. Ah, il y en a qui commencent à disparaître, du coup. Ouvert. C'est ouvert, il ne saute plus. Rentre à la maison via... Compagnie machin. J'ai l'impression... que ça fonctionne. On va perdre énormément d'argent, je pense. Le temps qu'ils comprennent tous, ouais, là, ils sont tous partis parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus l'attraction qu'ils voulaient. On va voir. Je vais accélérer. Ensuite, on va se laisser, les amis. On va voir ce que ça donne, ce qu'on a fait. Il faudra sûrement rajouter un train. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette technique. Peut-être que vous avez déjà testé, hein, peut-être qu'elle fonctionne pas du tout, vous le savez déjà. Là, la file d'attente, ça commence à être très chaud déjà. Mais regardez le nombre de personnes qui empruntent le train, du coup. Oh, j'ai oublié de regarder un truc d'abord. Oh zut, elle, il va falloir... Elle nous fait gagner 1200 par... Le mois précédent, elle nous a fait gagner 1200. J'espère que ça ne va pas trop diminuer. Je pense qu'il faudra regarder sur 2-3 mois quand même. Hein, pour voir vraiment les effets de ce qu'on a fait. Du coup, la route qu'il a est totalement abandonnée. Oh, et sur le retour. Ah oui, sur le retour. Du coup, tous les gens qui étaient bloqués dans l'attraction, qui étaient là avant, doivent payer, sachant que le billet ici est plus cher, mais c'est leur seul moyen de rentrer à la maison. Bon, là, ils ont soif... La queue est longue, ça c'est pas grave, ça se règle, tout ça se règle. Tout ça, ça se règle, la file d'attente ici, ça monte, ça grimpe. L'argent, regardez, on se fait 1500 maintenant. Oh là 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 là. Finance, graphique. On va voir si on voit une montée. Je pense que vous aurez la réponse dans l'épisode précédent, prochain, je dis l'épisode précédent. Là, j'ai pas augmenté les billets. Je pense que je vais les faire casquer surtout à la sortie parce que là, je veux qu'ils y aillent, qu'ils se disent pas « Oh non, demi-tour, c'est trop cher. » Je veux qu'ils y aillent absolument, mais que là, ils soient obligés de payer cher pour entrer. C'est extrêmement diabolique. Et regardez le monde qu'il y a, alors que c'est là que le ticket le plus cher. Regardez l'argent qu'on se fait. On se fait aucun argent, mais on est monté comme jusqu'à 2000. Ah, j'ai le nez totalement bouché. L'attraction, 1900. On a gagné plus le mois précédent que le mois encore précédent d'avant. C'est bon signe. Là, ça pose problème et je pense qu'il faudra installer quelques boutiques. Peut-être ici, une ou deux boutiques pour... Ou même là, d'ailleurs. Oh my god, il est en panne. Les amis, je vais m'occuper de tout ça dans l'épisode prochain. J'espère que ça vous a plu. Je vais lire... Enfin là, je vais tourner sûrement l'épisode à la suite, mais je vais lire tous vos commentaires. Donc laissez un commentaire, laissez un like, etc. Merci à vous et à très vite. Ciao, ciao. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne, pouce bleu. Etc. Ciao les amis.